Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de Sport. Après avoir évoqué les inquiétudes du monde sportif en matière de bénévolat ou de subvention, Enquête de Sport s'intéresse aujourd'hui à une autre réalité vécue par les dirigeants, leur relation avec les collectivités et la place de leur club au sein d'un territoire. Nous sommes ici à Marcoussis, au siège de la Fédération française de rugby, pour rencontrer son président, Pierre Camus. Nous allons bien sûr aborder avec lui ses relations entre dirigeants et collectivités. Nous parlerons aussi de la place du rugby en milieu rural. Nous prenons la direction du Grand Est, à Sampigny, en plein cœur de la Meuse. Une poignée de mordus a créé fin 2002 un club de rugby. Gros plan sur le rugby Centre Meuse Force 4, un reportage signé Guillaume Ramon. Pour parler rugby, il aurait été facile de prendre la direction du sud-ouest où les enfants naissent avec un ballon ovale dans la main. Mais nous sommes ici en Meuse, où les balles tirées ont longtemps été le fait de la folie des hommes et où la terre a trop souvent résonné au son des canons. 100 ans après un conflit qui a vu s'opposer les peuples, les matchs se disputent désormais sur le terrain de la fraternité. Durant plus d'un an de tournage, nous sommes partis à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font et qui partagent le rugby en Meuse. Je m'appelle Camille Tridon, j'ai 42 ans. Je suis entraîneur, joueur, éducateur et membre du bureau de Centre Meuse Force 4. Alors moi j'avais 14 ans, c'est mon père qui avait accompagné une tournée au Canada avec les rugbymen de Verdun. Et un des gars de Verdun m'a demandé de venir une fois m'entraîner un mercredi après-midi au stade au Parc de Londres. J'avais jamais fait de rugby, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, le samedi suivant, il me demandait de venir jouer en compétition, moi et mon frangin. Et puis de là, est parti l'aventure. Et mon père a accepté de faire les allées et venues qui nous séparaient de Verdun, puisque je suis de Pierrefitte. Et pendant 10 ans, ils nous ont emmenés. Et puis, c'est devenu une véritable passion, quoi. Après avoir décroché mon DUG, j'ai accepté le poste d'emploi jeune pour le comité départemental. Avec 3 missions qui étaient la promotion du rugby en milieu scolaire, en milieu rural et en zone sensible. Par la suite, au bout de 5 ans, j'ai signé au comité régional de rugby en tant que cadre technique. Et au bout de 18 mois, j'ai subi un licenciement économique. Il n'y avait plus de possibilité de nous payer. Donc j'ai continué à m'occuper des différentes missions à titre bénévole. Automatiquement, tu as tendance un peu à aller vers ce que tu connais. Bon, il y avait un stade à Pierrefitte. J'ai rencontré le maire de Pierrefitte et j'ai fait part de ma volonté de créer une petite section en milieu rural à Pierrefitte. On a lancé le truc. Premier mercredi, 15 gamins. Deuxième mercredi, 25 gamins. Et puis, l'aventure était partie. Yannis qui part, go! Voilà, voilà, très bien, Léontine, très bien. Oui, oui, très bien. Il est un peu moins significatif le deuxième. Et là, on est à 3 blancs. Pour 7 bleus. Super Lili! Super Lili! Chaque fois, ça doit être comme ça. Au bout de 2 ans, a été lancé un programme qui s'appelait 100 villes, 100 clubs au nord de la Loire. Donc c'était créer 100 clubs de rugby dans 100 villes différentes dans le nord de la France. Et on a souhaité en fait associer Pierrefitte au dernier moment pour l'intégrer dans le programme 100 villes 100 clubs. Donc ça faisait qu'on se retrouvait avec deux territoires, Saint-Miel et Pierrefitte. De là, les élus ont proposé d'y intégrer également Vigneulles et Commercy. Donc on s'est retrouvé avec 4 codécom, d'où le nom Centre Meuse Force 4. Voilà. Donc on a démarré à Pierrefitte avec des gamins de 4 ans et demi jusqu'à 14 ans. Donc pas d'équipe senior à l'époque, hein. Donc vraiment de la promotion. Et puis donc ces gamins-là, ils ont suivi tout le cursus de formation pour arriver, pour certains, à jouer en Fédéral 3 à Verdun.
Et quand je suis parti de Verdun, au bout d'un an, certains ont souhaité me rejoindre ici. Voilà. Donc ce qui a amené aussi, en termes de qualité et d'expérience rugbystique, non négligeable pour le groupe, quoi. J'ai développé, on a pas mal de jeunes qui arrivaient au niveau cadet junior, on les faisait jouer en partenariat avec Verdun. C'est moi qui les véhiculais pour les emmener aux entraînements. Et puis bah, toujours, je m'occupais de l'école de rugby, quoi. Et en fait, le fait d'arriver ici, il y avait une demande de rentrer en compétition. Donc j'ai bien présenté les aléas de la compétition aux nouveaux pratiquants d'ici. Mais bon, apparemment, ils étaient prêts à relever le défi. Donc on est parti sur un championnat senior, au plus bas. Voilà. Et puis on a gravi les échelons d'année en année pour arriver en honneur l'an dernier et redescendre cette année en promotion d'honneur. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle, je joue avec les gamins que j'ai commencé à Pierre Fit il y a plus de 10 ans, quoi. La particularité de Centre-Meuse, c'est déjà un ancrage rural, voire très rural, étant donné que la plupart de nos points d'ancrage aujourd'hui sont Pierre Fit, Surère, Sampigny, qui sont des villages qui ne dépassent, dépassent pas 500 habitants. On ne peut pas plus être en milieu rural que nous. On est au milieu des champs, à Sampigny, au bout du village, au milieu du colza. Et on s'entraîne le mercredi, le vendredi et les matchs le dimanche tout au long de la saison. Donc c'est devant ce qu'on va se guérir, devant on va faire le combat. On va y aller tous, avant, arrière, on y est. Par contre les gars, j'ai maniaque, je veux de l'envie, je les morts de faim. Des morts de faim. Les gars, on va les chercher, on les pime, on les retourne chez eux. On met des boîtes. Faites-vous plaisir, putain. Allez, faites-vous plaisir. On les défonce. Allez. J'ai envie du plaisir, allez. Une autre particularité de notre club, c'est de pouvoir proposer du rugby à beaucoup de gens. Quels que soient les niveaux, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, et ça fait partie quand même de notre fierté, on intègre des enfants à partir de 5 ou 6 ans qui n'ont jamais touché de ballon, on intègre aussi des adultes qui n'ont jamais touché un ballon de rugby et qui sont loin de cette offre et de cette vie rugbystique. Et en même temps que cette offre à des débutants, pouvoir atteindre aujourd'hui aussi un niveau qui fait partie des plus hauts niveaux régionaux en Lorraine. Donnez tout ce que vous avez dans la panse, tout, d'accord? Je gagne le respect de ces mecs-là en face, d'accord? Comme dit Fabrice, je ne respecte pas. Je ne veux pas avoir un mec derrière moi sur la montée défensive. Hein. Pas un! Pas les chercher! Pas la coup sûr, peu plus d'approximation. Pas à coup sûr, je peux pas donner comme ça. Partagez le chemin. Yeah.
Une des particularités de Centre-Meuse, c'est l'implication de tous, et surtout des joueurs, dans la vie du club. On a un exemple bien particulier, c'est le dimanche. Les premiers arrivent à 10h pour tracer le terrain. Ce sont des gens qui vont jouer. Et les derniers partent à 20h, voire plus tard évidemment, pour ceux qui doivent nettoyer, et puis pour toute la partie festive. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, voire peut-être jamais vu dans d'autres clubs. C'est-à-dire que dans notre club, la plupart du temps, le terrain est préparé par les municipalités. Nous, étant adossés à une municipalité comme Sampigny, Sampigny n'a pas forcément les moyens de détacher une personne pour prendre 2, 3, 4 heures pour tracer un terrain de rugby, rien que pour nous. Les relations qu'on a aujourd'hui avec les collectivités, elles évoluent dans le bon sens après une grosse période de disette. C'est-à-dire qu'on a une collectivité, une Codécom surtout, qui nous a toujours soutenus, c'est la Codécom Entraire-et-Meuse, qui, avec le peu de moyens qu'elle a toujours essayé de nous aider dans le développement. Sur les trois autres, on a eu des aides par à coup, surtout du Saint-Miélois, mais les deux autres quasiment absentes depuis la création du projet. Toujours les mêmes arguments, c'est qu'on n'a pas assez de pratiquants provenant de leur territoire ou qu'on n'est pas situé sur leur territoire. Sachant que tout le monde était bien d'accord de nous mettre en trou du cul du monde, en plein milieu des champs, au départ de l'activité. Mais ça, les gens sont un petit peu amnésiques. Et tout ce que vous voyez ici sur le site de Rugby Centre-Meuse, en fait, ce n'est issu que de la démerde et la récupération, des heures de travail des bénévoles. On a commencé, quand on est arrivé ici, il n'y avait que les poteaux qui étaient installés. Il n'y avait plus rien, plus de vestiaire, plus de toilettes, plus d'eau. Le terrain en lui-même, c'était un champ pour vaches, quoi. On a eu l'opportunité d'acheter des bungalows chez un ferrailleur. Donc très vite, on a mis en place une équipe travaux. Tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, les bénévoles, les joueurs, enfin tous ceux qui étaient motivés venaient donner un coup de main. Donc on a commencé par faire les fondations. Et puis après, une fois que les fondations étaient faites, on a mis les bungalows, on les a mis à nu. On a gardé que la structure métallique parce que tout le reste était complètement pourri. Et puis pour avoir quand même certaines normes, puis avoir une certaine qualité à l'intérieur une fois opérationnel, il a fallu redémarrer de zéro, quoi. Donc pendant 2, 3, 4 ans, c'était quasiment, on va pas dire tous les week-ends, mais les premières années quasiment tous les week-ends dedans pour que ça avance. Et puis après, ça s'est fait au fur et à mesure. On faisait des journées travaux assez spécifiques, ciblés pour qu'on puisse avancer, quoi. Tout a été fait uniquement par nos soins, quoi. Il n'y a pas eu d'aide extérieure d'aucune collectivité. On espère que, en fonction de ce qu'on a pu démontrer dans le temps, par rapport aux infrastructures qu'on a pu faire, parce que je ne connais pas beaucoup de clubs qui se démènent comme ça, qu'on puisse quand même être, à un moment donné, suivi et voir qu'on est quand même du sérieux et que ce club-là soit pérennisé dans le long terme, quoi. Si les collectivités prenaient réellement conscience qu'on est d'intérêt public et qu'on a un rôle social à jouer par ce qu'on amène aux enfants, aux adultes et l'animation du territoire, le fait de nous amener une aide logistique, comme beaucoup de clubs en Meuse, notamment de foot, de handball, basket, qui n'ont pas à se soucier de gérer des infrastructures, ça serait un gros plus pour Centre Meuse qui, je pense, a fait ses preuves à l'heure actuelle et mérite d'être aidé. Attrape le pied. Au départ, on n'était que sur Pierrefitte, en école de rugby. Et Pierrefitte, c'est un petit village, donc on a vite fait le tour. Pour s'étendre, c'était assez compliqué. Maintenant, Commercy, c'est une plus grosse ville. Donc voilà, là, on est une trentaine, ça fait un mois et demi qu'on a commencé. On vient de lancer Saint-Miel aussi, pour s'étendre encore plus, pour toucher les trois Codécom. Et c'est un gros avantage pour nous pour pouvoir dire que voilà, on a une école de rugby, un club de formation, et pour pouvoir pérenniser le club justement et avoir des jeunes d'avenir, quoi. Les écoles de rugby à l'heure actuelle, pour moi, c'est la vie et la survie d'un club. C'est que pas d'école de rugby, pas de club.
quand on voit le nombre de joueurs issus de, des petits villages dans le sud-ouest qui ont atteint le meilleur niveau national, je pense qu'à l'heure actuelle, notamment par rapport au programme de promotion qui a été mis en place sur le Nord, moi je pense que les structures en milieu rural, elles offriront des joueurs de l'équipe de France demain. Il faut en être convaincu et il faut travailler dans ce sens-là. Et si on ne le fait pas, ben, on se prive de futurs très bons joueurs. Et c'est la base qu'il faut aider. Et c'est les gens, les petits bénévoles, les petites structures qui vont enrichir le rugby français. On fait la passe, on va l'aider, flac, on lâche pas. Des joueurs formés à Centre-Meuse jouent aujourd'hui dans les meilleurs niveaux régionaux et qu'un des jeunes qui ont aujourd'hui 6 ans, 8 ans, 10 ans puisse un jour, pourquoi pas, atteindre le meilleur niveau national, on peut se permettre d'y rêver. J'espère que la Fédération française de rugby aidera les petits clubs à promouvoir et développer les écoles de rugby dans les années à venir, comme elle l'a fait auparavant. Tout ce qu'on a appris là, les petites techniques que je vous ai montrées, on va le faire, on va l'utiliser pendant le petit match. Ok ? C'est bon ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ok, allez, on va aller voir un coup maintenant. There's something changing in the water. They say the world is getting hotter. But our attention won't be given up. Le sportif est très important. Il y avait aussi le festif. Alors festif pour créer du lien, forcément, et aussi pour amener de l'argent au club et pour faire vivre le club. Et donc on a décidé de créer une association, donc les Amis du Goupil, qui est pour vocation unique de gérer tout ce qui est manifestation et festivités autour du club. Le but de l'association, c'est de créer des bénéfices, donc par le biais de soirées, de troisième mi-temps, donc après match, et par d'autres moyens comme les tombolas, les calendriers. Cet argent-là, en fait, est versé, les bénéfices de l'association sont versés au club. Afin de pouvoir améliorer notre confort de vie sportif. Des événements, le club en organise beaucoup, et notamment la nuit du rugby qui tous les ans réunit plus de 300 personnes à Saint-Mihiel. L'organisation est quasi militaire. Pour gagner donc un maximum d'argent, faire un gros bénéfice, on est obligé de s'organiser nous-mêmes, donc surtout au niveau du repas. Aujourd'hui, on crée les entrées nous-mêmes, on les sert nous-mêmes. Un traiteur qui est là sur place pour nous faire un plat de résistance. Mais au niveau du service, donc du plat, de l'entrée, du fromage et du dessert, on s'occupe de ça quasiment à 100%. On est obligé de passer par là pour gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si on fait faire ça par un traiteur avec des serveuses, on ne gagnerait pas d'argent. Toutes ces manifestations-là sont bien faites dans le but et uniquement pour faire de ce club un club qui s'inscrit dans le long terme. Encore une fois, merci à tous et je crois que ça va durer assez longtemps. We'll be right back.
L'un des autres grands rendez-vous de l'année, c'est le challenge Bernard Tridon. Tous les amateurs de rugby peuvent y participer. Il suffit de constituer une équipe de 7 et les parties se disputent sans plaquage et dans la bonne humeur. Lors du premier challenge en 2010, des filles se sont prises au jeu et parmi elles, plusieurs femmes de joueurs. Aujourd'hui, elles s'entraînent toutes les semaines et ça paye. Cette année, les filles de Centremeuse, les Pink, se sont qualifiées pour le premier championnat de France féminin de rugby à 5 à l'Arche. Il y avait le premier challenge Bernard Tridon à Pierrefitte et on a eu l'idée de faire une équipe de filles. On a fait deux entraînements avant le challenge et on avait du mal avec les règles, du mal à courir. Bon, ça s'est bien passé, on a bien rigolé le premier challenge et puis on s'est dit là, il faut quand même qu'on s'entraîne. Et puis on est parti avec 5-6 filles. Donc au début on s'entraînait aussi avec des garçons parce qu'on n'était pas assez, sur Sampigny. Et finalement, là au bout de 6 ans, on est une quinzaine de filles et on a ramené l'entraînement sur Pierrefitte. Et lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont opté pour le rugby sans contact, la réponse coule de source. Parce que quand on voit les mecs, c'est vraiment trop violent. Et moi, je travaille le lundi, j'ai pas envie d'avoir mal, d'être blessé, et puis voilà, d'être abîmé. Et c'est beaucoup moins violent, et puis ça fait courir, quoi. Tous les ans, on a des nouvelles recrues qui remplacent les nouvelles mamans. Qui reviennent par la suite. Mais ça a été un gros apport par rapport au club. La touche féminine a une forme d'équilibre, elles ont toutes leur place et elles participent énormément au développement et elles ont un autre regard sur le rugby, notamment un rugby qui n'est pas un rugby de combat, un rugby plutôt de lecture, de jeu. Et il a énormément apporté au club. Pour moi, le rugby, ça permet de faire du sport entre copines, ça me fait une bouffée d'oxygène le soir après le travail. On est quatre du même village à venir ensemble, on covoiture. Et non, il y a une bonne ambiance et c'est cool. Courir, on n'a pas toujours la motivation de courir, mais après, une fois qu'on est entre nous, et puis même l'hiver, on sait que si on ne vient pas, les filles, elles ne sont pas assez. Donc on vient, et puis une fois qu'on y est, on y est bien. Anaïs, tu joues normal, tu donnes pour Audrey ? Oui. Non, Audrey, tu viens fixer, tu donnes. Ouais. Cela fait maintenant plusieurs années que les hommes et les femmes en bleu du Centre Meuse Force 4 se battent pour faire vivre le club, sur et en dehors des terrains. Quand on leur demande ce que le club représente pour eux, les réponses se ressemblent étrangement. Le club de Sampigny, Force 4, pour moi en fait c'est ma deuxième famille en fait. Pour partager l'amour du rugby, que ce soit avec des petits, des gros, des grands, des maigres, voilà, c'est un partage, quoi. C'est le partage de plein de choses. De l'amitié, de l'entraide et du plaisir, surtout du plaisir. Un lieu de rencontre, un lieu de sport et ça fait 10 ans que je joue au rugby et je m'en lasserai pas. C'est une grande famille, on s'intègre vachement vite, c'est complice, c'est rigolo, c'est,
Voilà, tout le monde est là les uns pour les autres, autant sur le terrain qu'en dehors. Ici, on accepte tout le monde de toute façon. Si ça ne plaît pas, ben, il s'en va, mais en général, ils restent tous. Oui. Jouer à Centre-Meuse, il faut être courageux pour moi. Parce que tu sais que tu viens t'entraîner, mais tu sais que tu vas laver le blaster, tu sais que tu vas faire la vaisselle, tu sais que tu vas te faire un petit peu engueuler. Et il y a beaucoup de contraintes pour un joueur de Centre-Meuse. Et alors c'est peut-être ce qui fait notre richesse, mais à un moment on aimerait bien être un peu plus joueur que maçon, que nettoyeur de surface ou que cuisinier. Je pense que c'est des valeurs importantes, mais à un moment on pourrait se consacrer un peu plus au jeu, ça serait pas mal. Pierre Camus, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici au sein du siège de la Fédération française de rugby, dans un magnifique terrain d'entraînement synthétique. En 2002, fin 2002, une poignée de passionnés a créé un club de rugby à Sampigny dans la Meuse. Alors Sampigny, c'est 740 habitants. On n'est pas dans une terre de rugby, on est au nord de la Loire, en plein territoire rural. Et ce sont des gens vraiment qui se sont défoncés pour porter ce club à bout de bras. Les résultats sont là, meilleur niveau régional pour l'équipe senior, deux écoles de rugby, une section féminine, une qualification pour les championnats de France de rugby à 7 à Albi, 86 licenciés. À l'époque, ils ont été aidés par la fédération et aujourd'hui, ils ont l'impression d'être un peu abandonnés. Alors, ils sont toujours motivés, très motivés, mais ils ont l'impression d'être abandonnés et ils se fatiguent. Qu'est-ce que le président de la Fédération française de rugby peut leur dire aujourd'hui pour les rassurer? Alors, je peux leur mentir. La fédération n'a pas directement aidé. C'est 108 clubs avec l'EDF à travers des territoires qui voulaient construire leur territoire. Donc l'aide est née un certain temps et ensuite, c'est juste pour le démarrage des hommes qui construisent dans leurs ambitions, dans leur vie. Ce n'est pas être au service, ne veut pas être dit serviteur. Il y a 1900 clubs en France. Et on ne peut pas être à chacun, ça serait mentir. Je crois que ça fait trop longtemps qu'on ment dans ce pays, ce n'est pas mon style. Mais je crois, par-dessus tout, à la qualité des hommes qui habitent des territoires. Et quand ces qualités des hommes se battent pour des convictions, pour leurs propres gamins, pour un territoire, je suis sûr qu'ils peuvent dépasser les difficultés. Je sais, les difficultés de l'État. Je sais les difficultés des régions, des départements, des dotations globales de fonctionnement. Je ne suis pas là obligatoirement pour pallier à l'absence des autres. Et que la classe politique aussi sache quelle est sa mission, quel est son territoire, quelle est sa modalité de construction de territoire. Alors, tout à l'heure, quand on a préparé l'interview, vous m'avez dit « je n'aime pas le terme « petit club ». Je déteste. Je déteste. Mon dirigeant qui va chercher 500 euros, il a autant de qualité, si ce n'est davantage, que celui qui va en chercher 1 million. Parce que le monde n'est pas le même. Le médecin que j'ai, le notaire que j'ai, il a autant de qualité que le médecin du top 14 de l'équipe de France. Et je ne supporte pas. Parce qu'un club, il est fait par des hommes. Qu'est-ce que c'est un club? Et je crois qu'on l'oublie. Un club, c'est d'abord un acteur de la cité, d'un territoire, des territoires qui se construisent. Un club, c'est d'abord amener des gamins à la citoyenneté, au vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on manque de ces valeurs. Et comme en sport, et comme Sampigny, tous ceux qui se battent pour ça, ils se battent pour ça. Ils se battent pour transmettre ce qu'ils ont reçu. Je n'ai jamais dit que c'était simple. Simplement, j'ai un sport qui a des hommes. On peut essayer d'accompagner, mais le temps des prébendes est terminé. C'est d'abord des hommes qu'il faut construire. En quoi le rugby peut-il être un vecteur d'attractivité d'un territoire? Je parlerai souvent pas. Les élus disent « Ok, on veut bien vous aider, mais qu'est-ce que vous nous apportez ?» Je ne parlerai pas en termes d'attractivité. Je parlerai simplement dans ce qui me paraît être l'essentiel aujourd'hui, de lien social. Parce que ce sport est peut-être le seul qui permet un petit gros, un grand,
un petit, d'être ensemble, de vivre ensemble, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, quel que soit son métier, avec une balle au val, on ne sait pas où elle va, d'être ensemble, et que ce monde où on est, où il n'y a que l'argent, que des buzz, des trucs, ce sport permet encore, je ne sais pas combien de temps, et je me bats en vieux conservateur pour que ça le reste, le vivre ensemble. Je crois que la société dans laquelle nous vivons ne sait plus ce que c'est le vivre ensemble, parce que c'est du chacun pour soi. Alors vous parliez tout à l'heure d'un monde qui change, la réforme territoriale est en route, elle pose beaucoup d'interrogations aux dirigeants. Est-ce que la fédération a anticipé ces changements, ou c'est au club de le faire ? Non, attendez, il y a deux choses, et le code du sport, à moins qu'on m'ait expliqué qu'il ait changé, n'a pas changé. Il y a les régions politiques. Mais les régions n'avaient pas toutes la même politique sportive. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'avis des uns et des autres à l'intérieur de la politique de chacune des régions. Et je ne m'immiscerai pas, j'ai trop le respect des différences. Et je tiens à construire une France autour des accents et des différences. Le mien n'est pas celui de la Meuse. Donc, je tiens à construire autour des accents parce qu'on ne s'enrichit que de la différence et de l'apport de l'autre. Ensuite, il y a une politique, un code du sport. Que je sache, le code du sport définit des régions, mais la politique sportive et la politique administrative appartiennent aux fédérations. Et je suis pour la proximité la plus essentielle. Alors, je ne bougerai rien, sauf si j'ai changé d'état, qui me donne des ordres, et je ne bougerai rien sur la proximité. J'ai des gens qui représentent une fédération des entités choisies par leur club, et je tiens à cette proximité essentielle, quitte à me faire engueuler. Et c'est ce que je trouve de beau dans mon sport, c'est mêler relever toutes les cinq minutes. Où il y a l'un, il y a l'autre, et c'est ce que j'aime dans ce sport, même si parfois c'est compliqué de les recevoir. Alors, au-delà de Sampigny, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas dire petit club parce que je vais vous fâcher. On va dire à des clubs des territoires ruraux, au nord de la Loire, pas forcément dans les terres de rugby, pas forcément avec une histoire forte dans le rugby. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Si je peux me permettre. Je ne vais pas parler du nord de la Loire, parce que le plus compliqué n'est pas le nord de la Loire. Le nord de la Loire, ce sont les nouveaux chrétiens, ceux qui aiment, ceux qui découvrent, ceux qui se battent, ceux qui ont la passion. C'est plus compliqué pour le sud de la Loire, le sud de la Garonne, les contreforts pyrénéens, qui arrivent d'une histoire, et que cette histoire s'en va, et que cette histoire, à travers la qualité de leurs hommes, les villages qui se dépeuplent, qui étaient peut-être en première division. Comment construire ? Comment être ? Comment faire en sorte que le jeune revienne au village ? Parce qu'il n'y a plus l'école, il n'y a plus l'église, il n'y a plus rien. Il y a juste ce moment privilégié d'être ensemble sur un terrain de rugby et éventuellement, plus qu'éventuellement, partager quelques bières ou le reste le soir. Ce lien social qui fait que le village est encore vivant parce qu'on est parti dans une banlieue toulousaine, bayonnaise ou autre, et qui fait qu'on revient au village. Parce que cette balle ovale, ces souvenirs d'enfants, vous permettent et vous donnent envie de vous retrouver entre vous. Alors que ce soit au nord ou au sud, c'est juste cette passion d'être ensemble, de transmettre. Et pourquoi je veux ce sport à travers toute la France ? Parce que les valeurs, et je sais, qu'actuellement, le mot valeur, on ne le voit qu'en termes financiers, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Vous dites aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. On ne doit pas tout attendre de la fédération, tout attendre des collectivités. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Mao qui l'a dit, même d'autres. Alors il faut apprendre à pêcher et pas simplement fournir. Que ce n'est pas simple, que ce n'est pas facile. On a 1900 clubs, du sud, du sud-ouest, du sud-est, de la Meuse, du nord, aucun. N'a la même histoire, aucun n'a le même territoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces dirigeants qui se battent tous les jours, qui tracent leurs lignes ? Vous parliez tout à l'heure alors, de tracer votre les lignes, attendez, alors je vais parler de. Je vais pas revenir oui. À mon expérience privée, puisque le temps est là, mais moi j'avais 17 ans et mon frère, nous avons construit un club dans un 1700 habitants, il est toujours en fédéral 2, et. On avait deux poires chez les pompiers, on se changeait, ma mère lavait les maillots, on mettait les poteaux. Et je continuais à le faire, j'étais à Garassi, dans mon club. Oui, c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est mes gosses qui les ont faits. Je vois pas ce qu'il y a, autrement c'est l'embourgeoisement. Chacun fait quelque chose, il n'y a pas un président et ceci, non. Il y a des gens qui veulent construire ensemble
Et le plus important, c'est ce bénévolat que vous indiquez. Ce bénévolat, mais qui ne part pas simplement, moi j'ai de plus en plus de licenciés, que là, par contre, nous avons à droite et à gauche, à prendre exemple, comment construire le bénévolat et qu'est-ce qu'on peut demander? Combien de temps de sa vie il peut donner dans la société qui change? Et on lui demande souvent, viens, et on lui bouffe sa vie. Et lui aussi, il a une épouse. Le monde a changé en 30 ans. Il a sa propre vie. Mais être à l'écoute, être présent, et voir comment on peut essayer d'accompagner sans mensonge. Parce que d'abord, c'est l'être humain qui compte, et sa propre vie. Il est acteur de sa vie. On n'attend pas de l'autre, il est d'abord acteur de sa propre vie. Il y a des élus qui vont voir ce reportage. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que mon sport, peut-être plus que d'autres, autour d'une balle stupide, une balle ovale, et où on relève. Mais qu'est-ce que c'est notre sport? C'est l'être ensemble, le vivre ensemble. Je crois que ce sport, mon sport, est peut-être aujourd'hui plus que jamais l'élément central. Alors j'y tiens, et dans la ruralité encore plus. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre accueil. Et moi, j'étais très très heureux, sincèrement. Nous allons aborder maintenant le deuxième volet de ce numéro d'enquête de sport. Pour jouer au rugby, au minimum, il faut un terrain, des poteaux. C'est comme ça pour toutes les pratiques sportives. Alors justement, nous avons assisté à la naissance d'un équipement, une piste de BMX, avec cette question. Faut-il attendre d'avoir suffisamment de licenciés pour créer un équipement adéquat? Ou est-ce que c'est l'équipement qui va créer l'envie de pratiquer? La réponse à Contrisson, dans la Meuse. Pour pratiquer le BMX, un pilote a besoin d'un vélo évidemment, mais surtout d'une piste. Nous avons assisté à la naissance de l'une des plus belles de Lorraine. Retour sur la construction d'un équipement très attendu dans le département. Greg Gilson, société Gilson Trax, société donc qui est basée dans le sud de la France, mais donc c'est une société que j'ai créée en fin 2014. Mais moi je suis originaire de Trois-Fontaines-l'Abbaye, donc vraiment pas loin de Contrisson. Ça me tenait vraiment à cœur de venir faire ce chantier parce que moi donc j'étais dans le top 5 français en BMX en 2011, dans ma catégorie, hein, donc en 25-29. Et je suis parti dans le sud parce que j'avais pas de structure pour m'entraîner. Et donc ça me tenait vraiment à cœur de venir construire cette piste de BMX à Contrisson dans la Meuse. À l'origine, le maire de Contrisson nous avait sollicité pour aménager quelques buts de terre pour les enfants du village faire du BMX, bicross, et puis de fil en aiguille, bah, en cherchant à approfondir un peu plus le projet, à le faire mûrir, on a réussi à tisser des liens avec différents partenaires qui nous ont permis d'avoir un projet beaucoup plus ambitieux et d'envisager de faire une piste de BMX homologuée. Alors nous avons choisi le site de l'Albalastère parce qu'il se prêtait bien à ce genre de manifestation. Dans la verdure, le calme, il est vrai que ça aurait été un terrain de motocross, on ne l'aurait pas implanté à cet endroit-là, car c'est un endroit où il y a des pêcheurs, des plongeurs, des activités relativement calmes, et le BMX s'intégrait très bien dans ce site.
on sent très bien que cette piste est un besoin sur le territoire, quoi. Elle est attendue et de nombre de gamins et même d'adultes sont déjà venus participer aux réunions préparatoires pour la mise en place du club et aussi aller voir l'évolution de la piste au fur et à mesure de sa construction. Il y a vraiment une grosse part d'adaptation du plan sur le réel et là il faut un vécu de pilote pour pouvoir le faire. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment régler toutes les bosses pour que tout fonctionne, le virage, faire la courbe qui est parfaite pour que personne ne sorte. Il faut tout penser comme ça. Après, la technique pure de compactage, c'est des travaux publics normaux, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est surtout, notre spécificité réside vraiment dans la mise en forme en fait. Une piste comme la piste qu'on a réalisée à Contrisson coûte environ 190 000 euros hors taxes, donc pour laquelle on a réussi à obtenir une participation de 40% de l'État, 10% de la région Lorraine. Le département, lui, a contribué à hauteur de 20%. Et puis, on a eu aussi 4% de fonds parlementaires et avec un reste à charge de 26% pour la communauté de communes du Pays de Rovigny, qui englobe les 13 000 euros de participation de la Française des Jeux. Alors, l'intérêt de ce projet est de fédérer une nouvelle attractivité, une nouvelle dynamique sur le territoire, avec la pratique d'un sport un petit peu qui est en train de monter, notamment lorsqu'on regarde les derniers Jeux Olympiques de cette année. Avec, on espère aussi, des retombées pas seulement dans le domaine sportif, mais aussi touristique, économique, où on sait qu'on a déjà certaines personnes des alentours qui envisagent de se rapprocher du territoire pour être au plus proche de la piste BMX. Cela prouve bien l'intérêt d'avoir réalisé ces pistes qui sont une attente pour les jeunes du territoire. La piste est maintenant réalisée et nous apercevons qu'au travers des manifestations qui vont être organisées, notre commune va être connue dans toute la France, voire au-delà, dans le monde sportif, qui est le monde du BMX. À la suite de notre reportage, la Fédération française de cyclisme n'a pas homologué la piste et demandé l'arrêt des entraînements pour des questions de sécurité. Motif, le sable utilisé n'est pas conforme au cahier des charges. Comme quoi, même avec la meilleure volonté du monde et l'unité démontrée de tous les acteurs du dossier, un grain de sable peut suffire à enrayer la machine. Espérons que pour les enfants du territoire, la situation se décantera rapidement. Nous sommes ici à Strasbourg, devant le siège de la nouvelle région Grand Est. Nous venons rencontrer Jean-Paul Omeyer, il est en charge du sport à la nouvelle grande région. Jean-Paul Omeyer, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Strasbourg, au siège de la nouvelle région Grand Est, une région au sein de laquelle vous avez en charge le sport. Absolument. Alors, nous sommes ici pour parler des relations entre collectivités et clubs sportifs. Vous connaissez bien les deux milieux puisque vous avez été pratiquant dans de nombreux sports, avant d'être élu, un élu de terrain d'abord puisque vous étiez premier adjoint au maire de Cernay. Absolument. Et aujourd'hui en charge du sport au sein donc de la nouvelle grande région. Tout à fait. Compte tenu de votre expérience et des évolutions de la société, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette relation? Comment doit fonctionner ce binôme collectivité-dirigeant de club? Alors c'est une vraie question parce que en France, on est encore sur les systèmes historiques sport-service public et on a changé de dimension avec une société qui est aujourd'hui plus de consommation et de communication. Et il appartient aujourd'hui aux collectivités de voir comment elles peuvent accompagner et co-construire
une politique sportive, mais avec les dirigeants du mouvement sportif et avec les différentes strates de collectivités. Bien, alors, en 2010, Philippe Richert était déjà président de la région Alsace, il est aujourd'hui président de la région Grand Est. Vous aviez déjà en charge le sport. Absolument. Et Philippe Richert vous a confié une mission, c'est de redynamiser le sport. Comment ? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été menées et est-ce que ces actions sont transposables aujourd'hui au niveau de la région Grand Est ? Alors, pour parler de la région Alsace, effectivement, nous avons construit une toute nouvelle politique sportive, comme dit, co-construite avec le mouvement sportif, que ce soit les ligues, les comités régionaux qui sont nos interlocuteurs directs, mais aussi avec les clubs qui sont de notre compétence, donc tous les clubs qui pratiquent au niveau national, mais également en partenariat, autant que faire se peut, avec les collectivités locales, les départements et aussi l'État, chacun dans le respect de ses compétences. Cette politique qui a vraiment boosté le mouvement sportif en Alsace a des atouts qu'on peut transposer. Mais nous sommes aujourd'hui sur un très grand territoire où l'appréciation et l'accompagnement des politiques sportives étaient totalement différents d'un endroit à l'autre. Et il nous appartient de faire aujourd'hui la synthèse, la convergence de nos politiques, comme on dit, pour voir comment nous pouvons au mieux accompagner le mouvement sportif en continuant à affirmer que le sport est une discipline d'excellence et d'attractivité pour notre région. Alors, le niveau d'intervention de la région, c'est les clubs qui évoluent en national, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle traditionnellement le haut niveau, c'est-à-dire la pratique en championnat de France, voire la pratique au niveau international, plus la formation du parcours d'excellence sportive, donc des pôles espoirs au pôle élite et au pôle France, pour aller vers le plus haut niveau. Alors nous avons rencontré des clubs qui n'évoluent pas au niveau national, qui sont des clubs en milieu rural. Tout à fait. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour ces clubs ? Notamment, on a rencontré un club à Sampigny, un club de rugby vraiment qui est en milieu rural. Est-ce que vous pouvez aider ces gens-là ? De manière évidente, on a le sport de haut niveau comme compétence, mais nous travaillons aujourd'hui pour voir comment, dans le cadre des réflexions que nous menons au bénéfice des territoires ruraux, quelle place nous pouvons apporter à ces clubs qui ont un intérêt extrême en termes d'attractivité et de dynamisation également de territoire. Je prendrai un exemple dans ce que je connais le mieux. Si on prend le club de Sarre-Union en football, qui joue en CFA, dans un territoire où il y a peu de population, de densité d'habitants, il y a peu de développement économique. Néanmoins, ce club a fait toute la fierté de tout le nord de l'Alsace en allant jusqu'en huitième de finale de Coupe de France. C'est donc un club qui a un véritable intérêt territorial. Si je prends le club de rugby dont on parlait un instant, Force Meuse 4, oui. Quand on regarde le projet du club, quand on regarde les moyens qu'ils se donnent, mais aussi les résultats qu'ils ont, on peut se dire qu'il y a une réflexion à mener pour voir comment on peut, avec ce club, bâtir une dynamique qui bénéficie et qui soit attractive pour l'ensemble du territoire. En fait, ce sera forcément toujours du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous allez aider, mais en contrepartie, il faut que le club vous présente un projet. Absolument. Quelles que soient les interventions de la région dans le domaine du sport, que ce soit au bénéfice des ligues, que ce soit au bénéfice des clubs, que ce soit au bénéfice des athlètes, c'est toujours dans le cadre d'un contrat d'objectif. Nous pouvons apporter des moyens très souvent financiers. En face, nous sommes en droit aussi de demander un retour en termes d'image, en termes de communication, montrer que la région et le sport, nous avons su marier l'excellence ensemble pour tirer vers le haut. Alors, ça va être parfois compliqué pour des petits clubs dans des petites communes. Sûr. Comment est-ce qu'on peut remettre du sport au sein de la ruralité ? Alors, c'est bien là que se pose la question de la compétence des niveaux de collectivité. Et la loi NOTRe a donc évacué la clause de compétence générale pour les collectivités, sauf dans le tourisme, la culture et le sport. Donc tout le monde reste compétent dans le sport. Il nous appartiendra certainement de voir comment on peut faire peut-être une conférence régionale du sport où on met l'ensemble des collectivités des strates, l'État, la région, les départements, les collectivités locales autour de la table pour dire, voilà, comment bâtissons-nous une perspective de développement de la pratique sportive dans tous les territoires de cette grande région ? Parce que vous parliez de la réforme territoriale, il n'y a pas que la fusion des trois régions Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, il y a aussi la fusion des Codécom. Certaines Codécom vont se retrouver avec plusieurs clubs de football, plusieurs clubs de basket, absolument, peut-être de handball. Est-ce que vous allez
demander à ces... enfin, vous pensez que ça passera forcément, leur avenir passera forcément par des fusions ? Alors, c'est une question que je peux tranquillement aborder. Pour avoir fusionné 4 clubs de hand dans ma communauté commune quand j'étais encore élu local, qui tous les 4 végétaient entre guillemets, entre le pré-national, national 3, on redescendait, on remontait, et qui aujourd'hui est au plus haut niveau amateur, parce qu'ils ont su travailler ensemble et tirer vers le haut. Et là aussi, leur équipe de moins de 18 ans dispute le Final Four pour le titre de champion de France excellence ce week-end. Donc on voit que formation des cadres, formation des joueurs, formation des arbitres, structuration administrative et sportive des clubs, c'est les enjeux pour permettre à un club, y compris dans des zones plus rurales, de pouvoir jouer dans la cour des grands, entre guillemets. Vous avez dit récemment dans une interview que vous allez vous déplacer sur le terrain, vous avez déjà commencé, pour rencontrer y compris les présidents de club. Oui. C'est le discours que vous avez retenu. Systématiquement, dans tous les endroits où je vais, c'est en concertation avec les élus locaux, et je rencontre les présidents de club, les présidents de ligue qui sont sur le secteur, les élus des différentes strates, et on met les choses sur la table et on regarde où on peut aider et on dit aussi là où on ne peut pas aider. Jean-Paul Lemeyer, encore merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, vous parliez tout à l'heure de la valeur ajoutée apportée par le sport en termes d'attractivité d'un territoire. Eh bien, justement, nous avons un exemple. Au départ, il y a le financement, la construction d'un mur d'escalade dans un collège. À l'arrivée, un vrai club d'escalade avec un vrai projet, un vrai partenariat avec la collectivité. Ce n'est pas dans les Vosges, mais tout proche du plat pays cher à Jacques Brel. Nous prenons la direction de Montmédy, dans le nord de la Meuse. Bonjour. Alors, qui est Nicolas, qui est Lionel ? Lionel. Enchanté. Nicolas, enchanté. Vous êtes les deux membres fondateurs du club d'escalade Le Bastion de la Grimpe ? Tout à fait. Vous allez nous en parler ? Avec plaisir. Qui peut m'expliquer comment est né ce club ? Alors, le club, il est né très simplement. C'est-à-dire qu'on est arrivé en tant que prof de PS. On avait un,
On faisait cours en bas, en ville, et puis on a eu la possibilité d'avoir un nouveau gymnase avec une structure d'escalade, chose qu'on n'avait jamais connue nous en tant que prof. Donc de là est née une section sportive qu'on a créée parce que l'engouement des gamins était tel qu'il a fallu justement répondre à cette demande. Et puis la demande d'agrandissement est venue naturellement entre tous les deux, voire même les gamins. On était à l'étroit. On était à l'étroit dans ce grand gymnase avec ce petit mur. Et de ce fait, la condition un petit peu pour l'obtention du grand mur, c'était l'agrandissement déjà de la section sportive. Et puis la création d'un club. Donc, et surtout c'est... une structure qui correspondait aux critères fédéraux, donc qui rentre dans le classement des structures fédérales de la FFME. C'était un marché en fait qui a été passé par le CNDS, c'est ça, qui vous a posé cette condition ? Et le Conseil Général aussi à l'époque, parce que ça paraissait logique, à partir du moment où on allait investir sur du matériel, on est sur un équipement qui dépasse les 100 000 euros, il faut absolument derrière qu'il y ait une vie associative qui s'implante, un agrandissement de la section sportive, un fonctionnement en club, tout ça, une dynamique associative qui s'installe sur ce mur-là. Alors aujourd'hui, le club s'est développé et s'inscrit dans un projet un peu plus vaste, puisque vous vous êtes rattaché, notamment au niveau de la section sportive, sur quelque chose qui existait déjà. Oui, au lycée de Stenay, il y a l'option escalade au bac, qui est toujours présentée pour les élèves du lycée. Ouais. Et alors ? Et donc nos jeunes, souvent, sortent du collège et ils vont au lycée, ils prennent l'option escalade. Il y a même des résultats sportifs qui sont importants, je crois. Ah oui, ça marche plutôt pas mal au niveau fédéral et au niveau UNSS. Donc au niveau scolaire, on a plusieurs qualifications au championnat de France collège pour la section sportive. Et au lycée, ils se sont qualifiés aussi trois fois de suite au championnat de France. Il y a aussi un partenariat qui s'est monté avec la collectivité ici, puisque vous avez en projet de développer une partie touristique, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer ? Alors la partie touristique, en fait, c'est ici à la citadelle, dans ce magnifique cadre. On s'est rendu compte que tout ce qui est, il y a des parties qui sont grimpables dans la citadelle, donc dans les fossés, donc qui correspondent à de la pierre. C'est des rochers qui sont en inclusion dans les remparts. Dans les remparts, surtout pas les pierres, comme on peut le croire, des roches qui ont été façonnées par l'homme. Donc c'est tout ce qui est naturel. Et notre objectif, c'est de développer un petit peu la vie culturelle et touristique de la citadelle en proposant une alternative à tout ce qui peut se faire actuellement. Puis une activité sportive attractive. Donc, des blocs qui seront balisés par nos soins et tout l'entretien, on va dire la logistique. Un petit peu technique sera réalisé par le club. Ouais, c'est vous qui avez proposé ça ou c'est la collectivité qui vous l'a demandé ? C'est nous qui l'avons proposé. Voilà, parce que jusqu'à présent, la Codécom et l'Office du Tourisme se sont orientés sur la course d'orientation, les circuits de randonnée. Et c'est nous qui avons marqué ces rochers-là. On disait qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. L'écoute des élus par rapport à ça, c'était quoi ? Ils sont très partants. Très très partant. Et ils nous soutiennent beaucoup, donc dès qu'il y a besoin de désherbage, de tondre, aucun souci. On est à la croisée des chemins en fait entre le touristique, tout ce qui est un petit peu historique, la citadelle, Vauban, etc. Mmh. Et puis le sportif. Donc effectivement, les élus sont très preneurs de tout ça, des remixages un petit peu entre tout ça. On peut citer quelques chiffres sur le club, peut-être le nombre de... sur la partie club. Hein. 85 licenciés cette année. Bon, on oscille entre 80 et 90 licenciés, sachant qu'on prend des gamins pas trop petits, justement, pour éviter de gonfler le nombre. Parce que, on en refuse. Voilà, on en refuse parce qu'en capacité on n'a pas la capacité d'encadrement en ce moment. Bien qu'on vienne de recruter On a formé. Et deux personnes qui viennent de passer avec brio le diplôme pour être encadrant. Mais malgré tout, il faut qu'on puisse se développer dans la semaine pour proposer d'autres créneaux en fonction de l'âge, etc. C'est un peu notre objectif dans les années suivantes. Alors je crois que l'un d'entre vous était passionné d'escalade avant de venir dans la Meuse, puisque vous êtes originaire de la montagne, c'est ça ? Oui, de Briançon, je suis natif de là-haut. Ouais. Comment est-ce que vous qualifieriez le site, puisque pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant, on est très étonné qu'il y ait un club d'escalade ici en Meuse. Comment est-ce que vous qualifieriez le site ? Un site de citadelle, c'est des jolis petits blocs qui sont en inclusion. C'est vraiment de l'escalade familiale. C'est pas de l'escalade de difficulté comme on peut trouver à Fontainebleau, mais c'est des beaux petits blocs qui permettent de passer une belle après-midi dans un beau site historique. Quoi. Vraiment, c'est plus ce plaisir-là de l'escalade conviviale que de l'escalade de difficulté qui arrache les doigts. Donc pour progresser, c'est surtout le mur qui vous sert, c'est ça ? Oui, ça, le mur, c'est le plus bel outil de développement. Les blocs, c'est vraiment le petit plus qui permet d'aller dehors, pas trop loin. Okay. Parce que sinon, il faut faire de la route. Ok, parfait. Il y a un autre projet, c'est la création d'une salle de blocs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Ouais, la salle de blocs, ce serait un bel agrandissement de la structure artificielle d'escalade. Ça permettrait d'augmenter la surface grimpable et surtout d'aller vers un autre aspect de l'escalade, le bloc. Qui se retrouverait aussi en scolaire, parce qu'il y a toujours ce lien, enfin on est toujours tenu un petit peu entre le club et puis le scolaire, puisqu'on est tous les deux profs de PS. Quoi. Et puis un projet aussi un peu plus vaste, transfrontalier, un mot là-dessus ? Ah oui, le raid Montmédiéroval.
Oui, oui, donc on a participé cette année. Ça fait 2 ans qu'on participe à l'organisation du raid Montmédy-Orval. C'est un raid entre Montmédy et Orval. Et à la fin, quand ils arrivent dans la citadelle, justement, les franchissements de remparts, c'est nous qui gérons ça. Voilà, et donc c'est ça. Cette année, il y avait 55 équipes, donc plus de 100 participants. Et fallait qu'ils franchissent 2-3 petites barres rocheuses. Ouais. Alors là, vous me parlez d'une logique sportive. Il y a aussi. Votre club participe aussi à l'attractivité du territoire. Est-ce que vous en avez conscience ? On en a conscience et justement on valorise ça parce que notre objectif, c'est effectivement, c'est le club, c'est l'activité escalade, promouvoir l'activité escalade, mais c'est également participer à la vie associative et surtout local, à la vie de cette magnifique citadelle. Mmh. Donc dans le cadre de Montmédy-Orval, nous on voulait se positionner pour proposer quelque chose de différent d'un simple parcours de VTT et de course à pied. Donc il nous a paru évident avec les autres membres du club, parce qu'on les consulte en permanence, qu'il fallait se positionner pour proposer quelque chose qui rende attractif la venue à la citadelle, encore en plus. Alors je crois que cet après-midi, il y a un entraînement avec les jeunes du club, la section sportive, oui. Les jeunes de la section sportive sur le grand mur d'escalade. Mmh. Eh bien, on va aller faire un tour au collège. Avec plaisir. On y va. Allez. On est parti. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up, there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy as the days go passing by. There's hope, a better life for you and I. Take our dreams and fly. Together we can try. That's life. Les jeunes, c'est vrai que nous, on les accueille, c'est des purs débutants, donc ils en ont jamais fait, donc on part vraiment de zéro. Donc moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de voir ce que je peux leur apporter par rapport à l'inquiétude qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'activité. C'est quand même quelque chose qui peut impressionner au départ. Donc on est là aussi pour les rassurer quelque part. Et puis bien sûr, au fur et à mesure du temps, de les faire s'améliorer au niveau de la technique et puis de l'assurance. C'est quand même un sport qui se pratique au moins en binôme, donc il y a quand même une notion de confiance à avoir, et ça c'est des choses qui ne sont pas forcément innées, donc c'est vraiment des choses qu'il faut leur faire, qu'il faut leur inculquer dès le départ, quoi. Bien sûr, une activité sportive, mais c'est également une association qui tient à faire du lien entre les gens, entre les autres associations du territoire. Depuis que le Bastion de la Grimpe existe, qu'un certain nombre de jeunes qui se sont impliqués dans l'activité du club lorsqu'ils étaient au collège, puis ensuite au lycée de Stenay, continuent à revenir sur le territoire pour pratiquer l'escalade ou pour venir encadrer le club ou voilà, faire profiter de leurs compétences. Donc c'est une manière d'ancrer la jeunesse sur le territoire, de les faire participer à la vie locale et puis peut-être de former la relève, peut-être certains d'entre eux deviendront les futurs dirigeants de l'association. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, c'est que la dynamique qui est entreprise au collège, puis au lycée, etc., ne s'arrête pas par la suite et que ces jeunes aient envie de continuer leur activité par la suite. Je suis arrivé là il y a 4 ans parce que j'avais envie de faire une activité sportive et c'était quelque chose que je ne connaissais pas, donc je me suis lancé dedans. Et puis très vite, je me suis senti très à l'aise, tout le monde était très sympa et effectivement aujourd'hui, j'assimilerais plus ça à une famille, on s'entend tous vraiment bien. Ce qu'il faut noter, c'est le souci qu'ont les responsables de l'association de mêler toujours le sport et la culture, le sport et l'histoire. Donc, à la citadelle, par exemple, les blocs qui vont être définis vont comprendre chacun une petite signalétique qui permet de rappeler des événements historiques, de faire en sorte que les gens qui viennent pratiquer du sport repartent en ayant appris aussi des tas de choses sur le patrimoine du pays de Montmédy. Moi, je suis venue à l'escalade par le biais de ma fille, qui a commencé il y a 7-8 ans, qui m'a fait découvrir ce sport. Et elle, ça lui a permis de grandir, mais vraiment par échelon. Au fur et à mesure qu'elle a ancré l'escalade, elle a aimé faire des compétitions. Et maintenant d'ailleurs, elle en fait encore au niveau universitaire.
et je l'ai vu grandir. Si mon premier fils, qui est handicapé, lui au départ ne montait qu'à 1 mètre, et au fur et à mesure, il a pris confiance en lui par ce sport, et maintenant il monte le mur complet. Voilà. Donc c'est un sport qui apporte beaucoup au niveau intégrité et puis, comment dire, confiance en soi. Voilà, ça fait vraiment grandir. Bon, c'est vrai que aujourd'hui c'est devenu une petite famille et on s'entend tous très très bien, ouais. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up, there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. C'est la fin de ce numéro d'Enquête de Sport. On l'a vu dans les 3 reportages, les aides publiques se font de plus en plus rares et sont de plus en plus conditionnées à des partenariats. Aux clubs d'un côté de démontrer leurs compétences et la plus-value qu'ils apportent au territoire, aux élus de reconnaître que le sport est une vraie richesse pour la collectivité. Les partenariats, c'est pas toujours facile à monter, mais nous sommes ici à Montmédy sur la Citadelle et comme on l'a vu dans le dernier reportage, aucun rempart n'est infranchissable. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de Sport. Together we can try, that's life.